avant, évitez de toucher les yeux, les nez, la bouche. Salariés et bénévoles de Médecins du Monde sont sur tous les fronts depuis plusieurs semaines pour lutter contre la propagation du Covid-19 en Guyane. Mercredi après-midi, ils étaient à Cognon-la-Mirande à Matoury pour faire de la prévention sur les gestes barrières et inciter les habitants à rester chez eux pendant la crise sanitaire. J'ai resté à la maison. Et quand j'ai besoin un peu de l'eau, je viens de prendre un peu de l'eau. Éviter les, tout le contact avec les yeux, laver la main. C'est beaucoup malade, la fièvre. La plupart des personnes, ils ont compris qu'il faut rester chez eux, donc c'est tant mieux, parce que c'est pour nous protéger et les autres aussi. Les conseils d'hygiène et de sécurité sont régulièrement répétés dans ce quartier informel qui abrite plus de 3000 personnes, dont des enfants en bas âge. Mettre en place un système d'eau potable rapidement à proximité de la population afin qu'ils puissent avoir de l'eau potable pour se laver les mains, laver les condiments, les matières premières comme fruits et légumes crus consommés. Au niveau des coins de rassemblement, que ce soit devant les Chinois, de les voir entre eux, essayer de vraiment répéter toute cette information qui est importante pour éviter une grosse catastrophe ici en Guyane. Des affiches en espagnol, anglais, créole, portugais et français sont installées dans des espaces bien fréquentés. L'objectif est de conscientiser la population sur les mesures à prendre pour lutter efficacement contre le coronavirus. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et internet.